GPX TV. La web TV de GPX Afrique. L'occasion de la fête du 1er mai, on avait réuni des zones d'affaires portables aux leaders de l'intérieur. Et donc, il était apparu important quand même qu'on puisse s'écouler. Je pense que la chef des opérations d'Abidjan a relevé le fait que les leaders d'Abidjan n'avaient pas été. Donc il était important qu'on puisse équilibrer, mais pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit quand même une cérémonie solennelle, c'est important que pour vous qui êtes le chef de file au niveau des différents centres de gestion, vous puissiez vraiment imprimer d'abord dans les centres, mais surtout au niveau de vos équipes, la culture du numérique. Depuis le début de cette année, vous voyez qu'on répète à chaque fois que nous sommes une entreprise du numérique, nous sommes une entreprise de développement de solutions. C'est le cadre aujourd'hui de vous exhorter vraiment à pouvoir utiliser ces outils-là pour avoir une meilleure coordination de vos activités, permettre également de communiquer entre vous. Je sais que vous communiquez déjà beaucoup sur vos flottes, par d'autres moyens, mais il faut que ces outils-là soient le moyen pour mettre en place des communautés, peut-être des communautés des leaders, de façon à ce qu'il y ait un partage de l'information. En même temps, vous savez qu'on a un enjeu important aujourd'hui, c'est d'arriver à uniformiser les pratiques au niveau de l'ensemble des centres. Donc l'utilisation des nouvelles technologies doit permettre effectivement que ça se passe bien. Au niveau du comité de direction, on a acheté récemment des iPads pour tout le monde. On n'a pas encore toujours actuellement cette culture-là, mais on est en train d'y arriver en permettant que certaines validations se fassent en ligne, qu'on ne soit pas forcément obligé d'être présent. Ce matin, Marie était en réunion. La dernière fois aussi, il y avait une autre réunion importante comme ça concernant le projet ITS Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je souhaite vraiment que vous puissiez avoir comme culture. Donc, je ne serai pas long. C'est vraiment vous remettre ces équipements et puis profiter pour relever le fait que je crois qu'il y a eu des propositions de rotation au niveau des. Je ne sais pas si c'est publié. C'est publié. Donc c'est pour ça qu'il y a certains. C'est pour ça qu'il y a certains qui ne sourient pas beaucoup. Ça a été publié. Mais je veux vous expliquer le bien fondé de ces rotations. L'objectif d'une rotation, c'est d'arriver à favoriser le partage d'expérience. Et nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois que nous avons eu à faire des rotations, surtout au niveau des leaders, ça a permis de dynamiser le centre. Au niveau de l'intérieur, par exemple, lorsqu'on a fait passer ce coup de Soubré à Boaké, ça a été vraiment la transformation du logo de Boaké. Soubré, Christian aussi, a trouvé ses pas. Un truc où on n'arrivait pas à trouver de local depuis 3 ans. En moins de 2-3 mois, il a pu décanter la situation. On est en train de travailler avec lui pour structurer le centre. C'est un peu partout la même chose. Donc, je voudrais que vous puissiez vraiment prendre ça avec beaucoup de philosophie et considérer que ce n'est pas des sanctions. Au contraire, vous êtes le premier cercle au niveau de la gestion des centres, au niveau de la gestion des opérations, vous devez faire un cordon autour de vos responsables qui sont Marie et vos différents chefs des opérations au niveau des zones A et des zones B. Et puis bon, considérez que ce sont des challenges. Je sais que Abobo va à Dabou, Yougon va à Dabou, Abobo, bonjour. Donc, c'est vraiment l'objectif. Ce sont de nouveaux challenges. Abobo, c'est un centre important, c'est un centre qui a appelé
a grandi. Cette année, on n'a pas pu faire les investissements parce qu'on n'a pas pu défendre le dossier en conseil d'administration. Mais l'année prochaine, on va essayer de défendre le dossier pour que Dieu nous aidant, on puisse en faire un centre comme on aime le faire. Dabou également, c'est une zone très importante qui malheureusement n'a pas encore pu trouver son espace. Il y a une zone agricole importante, il y a toute la côtière, etc. qu'on peut exploiter à partir de Dabou, tout ce qui est usine, etc. Donc il y a beaucoup à faire. Je profite de l'occasion pour vraiment vous tranquilliser. Pour ceux qui sont maintenus, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est parce que pour le moment, on considère qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à leur niveau. Il y a des réadaptations qui vont être faites. Si je prends par exemple le pont Félix-Boigny, on est en train d'aller vers ITS, donc ça veut dire qu'on va redéfinir, on va reconfigurer ce centre-là, pour que tout ce qui est troisième niveau là soit dédié exclusivement à tout ce qui est projet ITS. On va revoir, il y a le centre de formation. Jean vient en train de travailler pour que notre Kipix Academy puisse être un institut agréé au niveau du FDFP. On est en train de travailler pour que l'école qu'on va mettre en place là, les diplômes qu'on va décerner soient des diplômes reconnus au niveau du ministère. Donc voilà, ouais, il y a beaucoup de choses et c'est au niveau du centre là, de Pont-Félix-Boigny qu'on va faire des aménagements. C'est ce qui a fait que sur le moment, Mme Touré ne pouvait pas bouger. C'est pas parce qu'il y a autre chose. La pause, c'est la même chose au niveau du VGE. Quand elle est meilleure, c'est le VGE. Ouais, au niveau du VGE, c'est la même chose. Parce qu'il y a des défis assez importants qui arrivent au niveau de ce centre-là. Donc c'est ce qui a fait qu'on a maintenu Mme Sambo également. Donc vraiment, je ne vais pas être long. C'est pour vraiment réitérer encore cette vision-là qui va s'accentuer dans les années à venir. On est en train d'aller vers la digitalisation. On est en train de partir vers la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. On est en discussion. On souhaite que effectivement le ministère puisse nous autoriser à déployer toutes ces solutions-là qui vont faciliter la vie aux populations et permettre que le service puisse se faire de façon plus rapide, plus moderne et plus sécurisé. Donc, je vous remets votre nouveau équipement. En souhaitant que vous puissiez faire bon usage. UXTV, la web TV de Kipix Afrique.